à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que souvent, quand je propose des soins de guérison aux personnes, il y a quelque chose qui bloque. Et souvent, ce qui bloque, c'est le pardon. Le pardon à la personne qui nous a blessés, le pardon à des gens qui vous ont fait ci, qui vous ont fait ça, et qui bloquent certains changements en vous, certaines améliorations, certains soins énergétiques, parce que vous bloquez, vous avez le karma qui est bloqué aussi. Et la seule façon de vous aider à aller dans ce sens de la guérison, c'est de pardonner. Alors pardonner, c'est sûr que c'est un moment qui est difficile, surtout quand les choses ont été assez fortes, assez longtemps, c'est bien compliqué. Alors, il y a une petite technique que moi j'utilise souvent et que je propose, c'est avec le système de bougies. Alors les bougies, ce que vous faites, voilà, vous achetez les bougies qui se vendent comme ça, je dirais presque au kilo, hein, vous trouvez ça dans certains drugstores. Vous achetez ce genre de bougies, c'est des petites bougies chauffe-plat. Et voilà, une fois qu'elles sont, voilà, vous avez ce genre de bougies. Quand vous les avez, vous en prenez une et vous décidez de dire, voilà, par exemple, cette bougie, ce sera pour pardonner la personne qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Vous la prenez, vous la mettez de côté. Vous en prenez une deuxième au cas où et vous dites, voilà, là aussi, cette personne-là, ça n'a pas été, je lui en veux, sans elle, la première n'aurait peut-être pas fait ça, c'est un coup monté, enfin voilà, tout ce qui peut vous ennuyer et que vous avez besoin de pardonner. Hein, c'est surtout ne pas être dans le jugement et ne pas dire ces personnes-là vont prendre ce qu'elles ont à prendre, ça me libérera et ça me fera du bien. Non, c'est le pardon. Ça, c'est très très important. Et puis, au besoin, vous preniez une troisième petite bougie et cette bougie-là, c'est la plus importante. Non pas parce qu'elle arrive en troisième position, parce que les positions, on s'en fiche complètement. Cette bougie-là, elle est pour vous. Cette bougie-là, elle est pour pardonner pour vous, pour pardonner ce que vous avez fait, pour vous pardonner à vous. Et peut-être pardonner aussi pour les deux autres bougies. C'est-à-dire que les personnes, ce qu'elles ont pu vous faire, ce que vous avez pu ne pas apprécier en elles, tout ça, il y a un reflet, un effet miroir envers vous. Donc, en vous pardonnant, vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait et de tout ça, vous allez en même temps pardonner les autres et vous allez aider à pardonner les autres personnes de ce qu'elles ont pu faire envers vous. Le plus important, c'est de vous pardonner. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas votre faute, vous n'avez rien fait, mais à un moment, il peut y avoir eu des choses de dites, des choses de faites, même sans vous en apercevoir, des réactions malsaines, des on-dit, des choses comme ça. Ou alors, vous avez été mal avec telle ou telle personne et du coup, vous avez pu, en croisant une autre personne, dire « Ah oui, mais alors celle-ci, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. » Ben voilà, ça c'est une dette karmique qui arrive, c'est quelque chose de malsain, c'est du négatif. Donc, la meilleure des solutions, c'est de vous pardonner à vous-même, de pardonner aux gens. Vous le faites le plus souvent possible, jusqu'à ce que vous compreniez que le pardon commence à partir, que vous vous sentez mieux. Vous, bien entendu, quand vous allumez cette bougie qui dure à peu près 4 heures, vous l'allumez, vous la laissez se consumer jusqu'à la fin. Vous laissez passer une journée et vous recommencez si vous avez besoin. Surtout, n'oubliez pas de vous pardonner vous. Il faut absolument que la bougie de pardon pour vous-même soit présente dans celle qu'il y a. Vous pouvez aussi pardonner à quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui est parti sans vous dire au revoir, quelqu'un que vous avez aidé pendant des années et qui vous a jamais dit merci pour ce que tu as fait. Et ben voilà, ça vous pouvez pardonner aussi ça en disant ben, la personne, vous lui avez donné ce que vous aviez eu besoin de lui donner, elle a pris, tant mieux, c'était de bon cœur, vous l'avez fait bénévolement. Voilà, vous serez remercié plus tard. Mais pardonnez à cette personne pour pas partir vous avec de la rancœur, de la haine envers cette personne qui malheureusement est décédée. Voilà, donc ce pardon avec les bougies peut être vraiment fait pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et surtout, ne vous oubliez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je sais que je le propose régulièrement dans les soins que je fais pour aider justement à certaines libérations qui peuvent être bloquées face à ce pardon qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne peut pas faire. Il est très difficile de pardonner. Voilà, et commencez surtout par vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.